advogado é o meu senhor. Paris, ville de lumière, nous t'apportons une bonne nouvelle. Jésus, la vraie lumière du monde. La montagne de la prière organise une méga veillée. Lundi 31 décembre, à partir de 22h à l'aube. Une nuit d'impact, spéciale veillée de traversée, nuit de signes et de prodiges. Commence à effacer, au nom de Jésus, les décrets de la mort, les décrets des accidents contre moi. Effacez les décrets des maladies. Je crois de tout cœur que l'année 2019 sera une année incroyablement glorieuse parce que rien ne sera laissé au hasard. Même s'il y a des décrets qui sont déjà signés, mais nous allons risquer comme Esther parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. En risquant comme Esther, nous allons accéder à notre destinée. Et je suis convaincu, aucun Haman ne pourra bloquer ce que Dieu prépare pour 2019. Venez recevoir l'onction, la parole, l'équipement pour oser le risque et voir l'extraordinaire dans votre vie. Comme orateur, le couple Samuel Pinzou. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi à ne pas manquer à cet événement, car Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Nous vous attendons très nombreux à cet événement. Soyez bénis. Tu es avec moi, Seigneur. Seigneur. Le Dieu des souvenirs. Souviens-toi. De mes prières, de mes jeûnes. Souviens-toi de mon amour pour mon prochain. Souviens-toi de mes œuvres. Élève ta voix maintenant, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Le Dieu qui s'est souvenu de Mardoché, Seigneur, souviens-toi. Oh, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Je veux que tu pries, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Je veux que tu pries avec moi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi, Seigneur, de mes prières. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes dîmes. Rappelle à Dieu. Souviens-toi, papa, de mes dîmes et de mes offrandes. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les visites à l'hôpital. Souviens-toi, Seigneur, de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, oh Dieu. Lève ta voix, commence à dire, Seigneur, souviens-toi. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Khora baba baba shoko boroyanda baba 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 baba. Khonda ba shoko boroyanda baba baba baba. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets la main droite sur la poitrine. Tu vas prier, Dieu. Nous sommes décidés d'entrer en 2019. N'oublions pas qu'il y a des amans qui sont à gauche, à droite, qui préparent notre chute. Tu vas déclarer ce matin, Seigneur, que tout amane de ma vie tombe dans son propre piège. Celui qui a préparé un piège contre moi, contre mes enfants, contre ma femme, qu'il tombe dans son propre piège. Au nom puissant de Jésus, élevons la voix, prions le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Seigneur de gloire, je déclare ce Seigneur que Aman, que tout Aman de ma vie, que tous les Aman de ma vie qui ont préparé, Seigneur, des pièges contre moi, je déclare, je prophétise au Papa, de même que Aman est tombé dans son piège, je déclare que Aman, que les Aman de ma vie tombent dans leur propre piège. Tombe dans leurs propres pièges. Au nom puissant de Jésus. Tombe dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, que Aman tombe dans son piège. Que les programmes qu'ils ont fait contre moi, qu'ils tombent dans leurs propres programmes. Au nom puissant de Jésus.
notre Seigneur et Maître. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Je veux que tu pries avec efficacité. Le roi n'a pas dormi. À cause de la bénédiction de Mardoché, tu vas prier, Seigneur, lève-toi. Lève-toi. Réveille ta mémoire. Ne dors pas. Je veux ma bénédiction. Je veux ma guérison. Je veux ma délivrance. Seigneur, ne dors pas. Pour mes enfants, élève la voix. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, ne dors pas. Seigneur, ne dors pas. Commence à prier. Ne dors pas. Oh, rabababababababa. Seigneur, ne dors pas. Ne dors pas. Ne dors pas. Réveille-toi, Seigneur. Ne dors pas. Bénis ma vie. Ne dors pas. Ne dors pas, Seigneur. Ne dors pas. Réveille-toi pour mon élévation. Réveille-toi pour ma délivrance. Réveille-toi pour mon miracle. Assurus n'a pas dormi à cause de l'insomnie, papa, pour récompenser Mardoché. Seigneur, réveille-toi. Toi qui as dit réveille ma mémoire, je viens ce matin. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne dors pas. Bénis mes enfants. Bénis mon ministère. Ne dors pas. Réveille-toi pour mon élévation, pour ma bénédiction, pour ce ministère. Réveille-toi. Ne dors pas. 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 Oh Dieu, ne dors pas pour ma guérison, pour la délivrance de mes enfants, de ma femme. Ne dors pas. Au nom de Jésus, ne dors pas. Adonai, mon Dieu, ne dors pas, Seigneur. Ne dors pas, Adonai. Ne dors pas. Au nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne dors pas. Seigneur, ne dors pas. Réveille-toi et bénis ma vie. Bénis mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Avant de clôturer, tu vas déclarer ce soir, ce matin. Seigneur, change le décret. Change le décret d'Aman. Change le décret de la mort. Change le décret des maladies. Change le décret des accidents. Ils ont déjà décrété que tu auras des accidents. Ils ont décrété que tu vas perdre la vie. Ils ont déjà signé leur pacte que tu vas tomber. Lève ta voix et commence à déclarer. Seigneur, ce matin, il est écrit dans ta parole, à la croix, tu as effacé les actes et les ordonnances qui me condamnaient. Seigneur, commence à effacer les lois de Satan, les décrets diaboliques. Commence à effacer, commence à effacer au nom de Jésus les décrets de la mort. Effacer les décrets des accidents contre moi, contre les membres de ces ministères. Seigneur, commence à effacer, commence à effacer au nom de Jésus. Effacer les décrets des maladies, les décrets des accidents. Effacer. Au nom de Jésus, effacez, 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 effacez. Seigneur, commence à effacer. Commence à effacer les lois, les décrets des sorciers, les décrets des sorciers de ma famille, les sorciers du quartier, les décrets des maladies, les décrets de mort subite. Commence à effacer les décrets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, Jésus. Ferme ce matin tes yeux. Lève nos deux mains en l'air pour que je clôture cette prière. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu honores la parole de tes serviteurs.
je me tiens debout en qualité de ton serviteur. Personne ici présent ne doit sortir malade. Personne ici présent ne doit sortir bloqué. Je déclare au nom de Jésus, par l'Esprit de Jésus-Christ qui est à moi, que la mort soit changée à la vie. Que la mort soit changée à la vie. La pauvreté à la richesse. L'humiliation à l'élévation. Père, je déclare que le décret de la mort subite soit effacé, supprimé, 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 supprimé. Je déclare ce matin, en qualité de la bouche de Dieu, que les bénédictions différées te soient données maintenant. Que le temps de la récompense a sonné. Que le temps de la rémunération a sonné. Je vois certaines personnes être couronnées. Je vois certaines personnes être rémunérées. Je vois toi qui as beaucoup pleuré. Être rémunéré. Amen. Tu es Mardochée de ce matin. Amen. Tu avais travaillé, mais tu n'as pas été rémunéré convenablement. Amen. Tu n'as pas reçu ton salaire convenablement. Amen. Le temps a sonné. Amen. Le temps a sonné. Amen. Le temps a sonné. Amen. Dieu est en train de te rémunérer. Amen. Dieu est en train de te rémunérer. Amen. Les bénédictions différées sont en train d'être rémunérées. Le sang de Dieu est sur toi. Le sang de Dieu est sur toi. Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. Et la gloire de Dieu sera comme un manteau. Un manteau dans ta vie. Un manteau dans ta vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur me montre qu'il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Le Seigneur me montre que très bientôt, dans quelques jours, le Seigneur me montre que dans quelques jours, laissez comme ça. Le Seigneur me montre que dans quelques jours, pendant ces 21 jours, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Le temps de la rémunération. Tu as pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es posé des questions. Pourquoi ça tarde? Dieu l'a différé pour te bénir maintenant. Dieu a différé ta bénédiction pour te donner ce qu'il voulait te donner exactement. Dieu a différé ta bénédiction pour te la donner au temps où tu en auras plus besoin. Ça, c'est le temps où tu te sens oppressé, où tu te sens abandonné. Où tu te sens délaissé, où tu te sens incapable, où tu te sens faibli. C'est le temps où Dieu a décidé, où les ennemis, les oppresseurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est le moment où Dieu décide maintenant de récompenser ta vie, de récompenser tes efforts, de récompenser tes prières, de récompenser l'élévation, de récompenser. Il dit, je suis l'Éternel. J'ai gardé le silence. Maintenant, je soufflerai tout à la fois. Je te donnerai la paix. Je te donnerai l'argent. Je te donnerai le travail. Je te donnerai la paix, la joie. Je te donnerai ton mari. Je te donnerai ta femme. Je te donnerai tes enfants. Dieu a dit, maintenant, j'ai décidé de souffler la bénédiction, de souffler. Je te donne ton entreprise. Je te donne ton travail. Je te donne ta promotion, dit l'Éternel. Je te donne ta promotion, dit l'Éternel. Je te donne ton élévation, dit l'Éternel. Je te la donne.
Meu advogado é o meu Senhor. Paris, ville de lumière, nous t'apportons une bonne nouvelle. Jésus, la vraie lumière du monde. La montagne de la prière organise une méga veillée. Lundi 31 décembre, à partir de 22h à l'aube. Une nuit d'impact, spéciale veillée de traversée, nuit de signes et de prodiges. Commence à effacer, au nom de Jésus, les décrets de la mort, les décrets des accidents contre moi. Effacez les décrets des maladies. Je crois de tout cœur que l'année 2019 sera une année incroyablement glorieuse parce que rien ne sera laissé au hasard. Même s'il y a des décrets qui sont déjà signés, mais nous allons risquer comme Esther parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. En risquant comme Esther, nous allons accéder à notre destinée. Et je suis convaincu, aucun Haman ne pourra bloquer ce que Dieu prépare pour 2019. Venez recevoir l'onction, la parole, l'équipement pour oser le risque et voir l'extraordinaire dans votre vie. Comme orateur, le couple Samuel Pindou. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. Je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement, car Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Nous vous attendons très nombreux à cet événement. Soyez bénis.